Ah ouais, comme ça, je te fais penser aux joueurs du grenier? Quelle époque! Et au final, j'ai perdu 2 dixièmes à chaque œil. Oui, à cause de la photocopieuse, oui. Générique. Bad News vous est présenté par... Ten, le chat qui pète. Merci, Ten. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres et mauvais genres, bienvenue dans Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, n'est-ce pas, Davy? Il est con. On commence l'émission avec une Bad News envoyée par Korak à l'attaque. Je vous lis juste le titre. N, le beau-père mord l'enfant aux testicules, ou au boule coco, hein, si c'est un spécial enfant. En juillet 2016, le jeune Dylan a 12 ans lorsqu'il se retrouve au beau milieu d'un barbecue humide. Organisé par son beau-père. Alors que tout le monde est dans une ambiance bien festive, le beau-père de Dylan s'empare d'un pistolet à billes et se met à tirer un peu partout pour amuser les enfants présents. Bonne ambiance, c'est ce que tout le monde fait pendant un barbecue. L'une des billes du pistolet ricoche et vient frapper sa propre fille. Voyant cela, l'homme s'énerve, attrape le fils de sa compagne, donc Dylan, lui enlève le pantalon et le mord au testicule à travers le caleçon. La mère avouera, c'était tellement enflé qu'on croyait qu'il avait un troisième testicule. On regarde tout de suite le journal d'Enculasect de Thomas. Anus. Bonjour à tous les ducs de trop. Mais vous êtes pas Thomas? Bah si, c'est moi. Bah non, tu lui ressembles pas, t'as pas la bonne forme. Personne a dit que je devais me ressembler. Si, le vrai Thomas, il aurait aimé se ressembler. Il aurait jamais voulu d'une tête carrée. Oui, bah, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est la vision de l'artiste, Davy. Eh bah, l'artiste, il faut qu'il change de lunettes. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, Davy. Les fidèles se plaignent parce qu'il y a plus syndic du donjon depuis 2 jours. Et alors? Eh bah, ils veulent la suite du syndic du donjon. Eh bah, on leur remet demain. Super, tu devrais être président, Davy. Je sais. Hey, Thomas. Oui, Davy? Les chats, c'est des connards. Anus. Merci, Thomas. En bref. Le coronavirus. Et on regarde tout de suite une chanson de Cocktail Davy. On ne baisse pas les animaux sans consentement. C'est pas normal. On ne suce pas un chihuahua, on ne lèche pas un petit chat, on ne baisse pas les animaux sans consentement, c'est pas normal, on ne couche pas avec un barracuda, on ne doit pas un bébé panda, on ne baisse pas les animaux sans consentement, c'est pas normal, on ne met pas son sexe dans la bouche d'un lama, sinon lama craché. Merci, Davy. Et on enchaîne tout de suite sur une bad news de... Vous avez remarqué que même si on le dit pas, on l'a quand même dans la tête. Il pensait présenter bad news depuis le début, mais un chroniqueur de la célèbre émission n'était en réalité qu'un poisson d'avril. Quoi? Mais... Alors... Ah ouais, YouTube, c'est vraiment de la merde. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer